Logique. Ah, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, ils ont été beaucoup plus déterminés que nous. Dans leur temps fort, ils ont été bons et ils ont été efficaces. Et les regrets que vous pouvez avoir, c'est sur quoi ? En première mi-temps, où, quand on est revenu au score, on a eu des situations derrière. Il y avait des ouvertures où on a mal joué ces coups-là. On a manqué de justesse dans nos transmissions pour aller au bout des choses et pour se créer vraiment des occasions nettes. Vous êtes bien perturbé quand même. Oui, on a mieux défendu en première mi-temps. Après, la blessure d'Elias aussi, qui est important pour nous aussi parce qu'il gratte énormément de ballons, il récupère beaucoup de ballons et ça nous a manqué en deuxième mi-temps aussi. C'est une période un peu plus délicate que vous vivez depuis quelques semaines. Ouais. Par rapport à un début de saison où il y avait même l'ambition peut-être d'une place européenne, là ça devient un peu plus compliqué. Oui, parce qu'on était toujours à la lutte avec les équipes. Du haut tableau. Malheureusement, on a perdu surtout la semaine dernière contre Angers où on mène 2-0, on se fait rejoindre à 10 minutes de la fin, à 11 contre 10. C'est ça qui nous plombe notre avance. Sinon, on aurait pu se retrouver encore collé. Là, c'est sûr que la défaite cet après-midi nous fait mal, mais il reste des matchs. On va pas lâcher, on va continuer à se battre et aller gratter des points parce qu'on veut terminer le plus haut possible. On a l'impression qu'il y a un peu moins de réussite qu'à une époque, notamment le trio d'attaque, sur les petites actions où ça faisait but dans les premiers mois de la saison. Non, mes attaquants, ils marquent des buts, ils sont décisifs et surtout dans notre animation défensive, c'est qu'on prend trop de buts. On ne prenait pas de buts. Ouais, et aujourd'hui, depuis la Noël, c'est porte ouverte. C'est surtout dans ce domaine-là où on est défaillant. C'est pas mes attaquants, ils marquent des buts, ils font marquer des buts, ils se créent des situations. Non, c'est dans notre animation défensive et dans la zone de vérité derrière qu'on est friable. C'est plutôt ça que. Parce que des situations, on s'en crée et il faut qu'on retrouve un peu plus de rigueur derrière. Quand on voit cet après-midi, en deuxième mi-temps, le nombre d'arrêts que fait Benjamin, ça ne nous arrivait pas en première partie de saison. Il n'y avait pas autant d'arrêts à faire. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas qu'on lâche. Pardon ? Tout à l'heure, vous disiez, il ne faut pas qu'on lâche. C'est plus compliqué. Non, j'ai dit, on ne va pas lâcher. Pourquoi on va lâcher ? Non, mais justement, est-ce que le match d'aujourd'hui, à ce niveau-là, ça vous rassure ? Non, on n'a pas lâché. Hein. Après, je ne dis pas qu'on a lâché, mais on fait trop d'erreurs dans notre lecture du jeu, dans l'agressivité défensive, et que ce soit collectivement et puis individuellement aussi, il y a des manques aussi sur certaines actions où ça fait des buts. Bon, après, je pense que vous auriez peut-être signé pour faire une saison comme ça, non ? 9 journées de la fin, être. Ben, voilà, le... Oui, non, mais après, il faut avoir de l'ambition aussi. Quand on fait un bon début de saison, il faut avoir. On avait l'envie de combattre pour trouver une place européenne. Et malheureusement, aujourd'hui, on cale un petit peu, mais il reste 8 matchs, c'est ça ? 9 matchs. Voilà, 9 matchs. On va se battre pour. Pour gagner le maximum de matchs, déjà nos matchs à la maison, il faut qu'on arrive à retrouver le goût de la victoire à la Mosson parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Merci.